Hello, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on en parle de cette repousse de malade? Ma cliente est venue faire son remplissage au bout de 8 semaines. Tout était encore là, même moi, j'étais choquée. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je réalise mes dégradés avec de l'acrylique. Ma cliente est venue avec une idée hyper originale. Je me suis dit obligée, je vais filmer cette pose. Du coup, je commence par appliquer la couleur Ave Néon de la collection Fluomania de chez Indigo. Et sur l'autre main, j'applique la Florida Dreams de chez Indigo. On passe ensuite sur l'annulaire et comme couleur, j'ai choisi la Lila Sky et la Discotheca Kiss de chez Indigo toujours. Et en fait, je vais venir mettre la moitié d'une couleur sur le côté gauche et l'autre moitié sur le côté droit. Une fois que c'est fait, je me munis d'une éponge et je viens tapoter mes deux couleurs entre elles pour les fondre. Donc en fait, je viens faire de haut en bas et de gauche à droite. Une fois que les deux couleurs sont bien floutées, on ne vient pas catalyser et c'est là qu'on applique la poudre acrylique. Du coup, on vient saupoudrer l'ongle une fois, j'enlève l'excédent et je catalyse 30 secondes. Une fois que ça a catalysé, je dépoussière et je répète l'opération. Et pareil, on ne catalyse pas et on vient saupoudrer de poudre acrylique et ça repart 30 secondes sous l'emplaide. On va venir répéter l'opération 3 fois, cela est suffisant. Pour ce dégradé, on va venir utiliser la couleur Florida Dreams et la couleur Panananas de chez Indigo. Je vais répéter l'opération, du coup on suit le même protocole, on dégrade, on applique l'acrylique, on fait ça 3 fois et du coup moi j'utilise cette technique aussi pour les baby color et pour les dégradés. Pour ce dégradé, on a utilisé la couleur Mad Woman de la collection Fluomania et toujours pareil, le Florida Dreams de chez Indigo. Ce dégradé-là, je crois bien que c'est mon préféré. Les couleurs entre elles sont juste canon. Ici, j'ai utilisé deux couleurs de la collection Fluomania, la Ave Néon et la Loveless. Ce
ce type de dégradé pour cet été. Oh, mais je trouve ça tellement beau. Et comme vous le savez, je suis une grande fan de paillettes, du coup uniquement sur les dégradés, je suis venue appliquer la finition Shiny Gold de chez Ongle Access. Je fais catalyser ma finition pailletée 60 secondes et ma cliente a voulu un effet mat sur toute la pose. Du coup, j'ai appliqué le Velvet Mat de chez Ongle Access et je l'ai fait catalyser 60 secondes. Une fois que ça a fini de catalyser, j'applique mon huile à cuticule et le résultat est juste trop canon. J'ai adoré faire cette pose, elle est hyper originale pour cet été. Si vous voulez de la couleur, ici il y en a. Du coup maintenant vous savez tous mes secrets sur mes dégradés. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.